J'ai testé le niveau de la prison, qui est actuellement en bêta sur Phasmophobia. Alors, petit rappel d'usage, bien sûr, si vous voulez tester cette bêta, il suffit tout simplement de vous rendre dans les propriétés de votre jeu sur Steam et d'activer dans l'onglet adéquat l'option « L'accès à la bêta ». Le niveau de la prison se situe à mi-chemin entre l'école et l'asile. Je dirais même qu'il se rapproche plus de l'école que de l'asile. Alors, autant au niveau de la structure qu'au niveau de la taille. Là où l'asile est beaucoup plus construite en longueur, eh bien l'école elle-même est davantage ramassée. Une course-poursuite va souvent se résumer à emprunter des escaliers ou encore tourner autour d'une table comme c'est déjà arrivé. Sauf si, bien sûr, c'est un revenant, auquel cas il faut fuir le plus loin possible autant que vous pouvez et bien sûr refermer les portes derrière vous. Le level design est original, en revanche, le sound design, lui, l'est beaucoup moins. Le fait que les sons fassent penser à d'autres niveaux, eh bien, ça gâche un peu la magie. Ça fait un peu plus penser au chalet ou à la maison, si vous avez beaucoup pratiqué le jeu, et ça fait un peu moins penser à l'effet d'une prison. Maintenant, il faut se rappeler que le niveau est en bêta, et que le jeu lui-même sur Steam est en Early Access. Donc on va souhaiter beaucoup de courage au développeur qui quasiment fait ça tout seul, et nous propose une expérience assez cool de chasse aux fantômes. Ok. Les petits bruits ici sont très rassurants. Ok, très bien. Hé, attends! Oh, ça me rappelle des super bons souvenirs, Indianapolis. Pas de problème! C'est pas moi! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ouvrais mon cœur. Je me confiais. J'étais en train de vous parler de... Hein? C'était en... Je parlais de mes émotions, là. Hein? J'ai entendu un... cliquetis. J'ai entendu un truc par là. J'arrive pas trop savoir si c'est en haut. Merci à coup. J'arrive pas trop savoir si c'est. Ah, le bureau du directeur. Ok. Très bien rangé pour l'instant. J'ai entendu un truc juste en bas. Aéroport de Nice. Survoler avec la petite voix, hein, c'est joli. Voler avec la petite voix. À l'aéroport. Alors. On arrive par là, hein, ça. J'ai entendu un truc juste en bas. Deux minutes d'arrêt. C'est une nouvelle map officielle, absolument. Alors, on est descendu. Et on... J'entends un truc, le renard à la belette, là. Hein. Je vous jure, j'entends. Vous entendez? Par là, là. Ah, il y a un petit couinois. Ça va rester. Là, 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 ici. Par là, là. Oh. Mais... Ferme ta bouche, la porte. Je sais quoi, mais... Tu peux pas juste... Hein? Tu peux pas juste... Genre...
tu peux pas t'ouvrir genre en mode ah ah hein je sais pas encore hein en mode genre intergalactique tu peux pas juste faire ça. Ok. Merci. Oh, on s'éloigne. C'est incroyable. Juste ça. J'adore ouvrir des portes de prison. Ok. Bah c'est aussi grand que l'école a priori, hein, c'est ce que j'ai compris. J'ai entendu un truc là. Genre un truc qui tombait. Alors, je me suis éloigné. Ça couine, hein. Non, on est venu de là. Oh oh. Non, pas comme Harley. Elle est aussi grande que l'asile, mais il y a beaucoup plus d'endroits à vérifier. Ah, ok. Donc c'est à mi-chemin entre l'asile et l'école, en fait. Il y a un... Ouais, il y a... Petite thing, hein. C'est par là, on allait où? Ok. Non, je suis pas allé à l'étage, hein. Il y a zéro cachette. Il passe à travers les barreaux ou... Oh oh. Ah non, j'ai fait cette balle. Ok. Par contre, j'ai pas fait attention aux interrupteurs. Ouais, ouais. Oh. 15, 14. Oh, 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 et oh, et... Ouais, c'est là. Ok. On va peut-être pas, hein. On va peut-être pas tenter le diable avec cette histoire de... Je sais que vous mourrez d'envie. De m'applaudir et de convulser, rappelez-vous, oui, oui, à l'idée de lâcher la lampe par terre, je le sais. Alors, ça garde sa lampe. Je prends note. Tu la laisses. Regardez la lampe. Pour le moment, l'ambiance prison est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Ouais, ça continue de faire des schpik-schplok. Ok. Pour le coup, je sais pas si le fantôme va vouloir purger sa peine. Hein. Non! Ah, il a même mis un truc pour le gel hydroalcoolique! Non! Je sais pas si de base c'est là. Hein? Le
puche, piche puche. Hein? Ah mais je me repère pas, je fais tout à 1. Il y a plus de gêne. Je suis à 1. 2020 friendly. Je sais pas qui est friendly avec 2020 aujourd'hui. Hein. Est-ce que le bruit est normal hein, d'ouverture des portes? 62%. Ah, oh, je vais y retourner. Oh là 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 là. Est-ce qu'on prend des risques? Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on aime prendre des risques? 64%. Parce que soit j'y vais à 60%. Attends. Sur 20 non. Ah, ouais. Lui, mais petit, bah voilà, voilà, voilà. Voilà. C'est. Oh, à chaque fois, je. C'était. On va aller voir. Jonathan et Jennifer. Il y a un Jonathan chez la Warner. Très sympa. On discute, plutôt qui maîtrise son sujet, tout ça, donc. Donc oui, dans mon geste. C'est qui Jennifer? Salut. Non ouais, je sais pas me repérer. J'ai le sens d'orientation d'une poignée de porte pour le con. Je fais tout à l'instinct. Absolument. C'est la bêta avec la prison. Donc mon instinct fonctionne assez bien. Oh, c'est quoi le glitch là? Oui, oh. Oh, tu me glitches pas dessus et oh. Tu fais pas ça hein. Non. Ok. C'est là. Du jour. On va mettre ça. Ah, par contre, c'est un peu complexe. Ça. Yes! Ta-ta-da! Incroyable! Pardon, incroyable, c'est tellement fou! Ma vie de chasseur de fantômes est tellement incroyable! Je suis tellement... Oh! Mmh, regarde, j'ai posé la lampe! Regarde, oui, je sais, c'est incroyable! Ok. Mais en même temps, je comprends qu'il apparaisse. Hein. Je comprends. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Quel est votre âge? Quel est votre âge? Quel est votre âge, mais pas trop. Ok. Ah, il continue de jouer avec le... Hein. Prochaine fois, je viens avec un appareil photo. Où est-ce qu'on se cache? Se cacher, pourquoi faire? Que fait ça? Ce développeur est un monstre, qu'on voit le travail qu'il a fait sur cette map. Ça montre vraiment son talent. Qu'il allait tout seul. Ouais, oui, tout à fait. Et j'espère qu'il sera aidé, j'espère qu'il aura un studio, j'espère qu'il va cartonner, j'espère qu'il aura une histoire assez proche de celle de Behavior. Qui sont une équipe incroyable, très investie, hein, qui font pas forcément des choix qui plaisent à tout le monde, et on comprend, c'est leur jeu, donc ça ne peut pas mathématiquement plaire à tout le monde, mais ils se donnent totalement. Et je lui souhaite une très belle histoire de kiff. Ok.
Pony? Ok. Là, je pense que je suis retombé à 60. En lucette rousse. C'est un jeu tout seul. Absolument clément. Je pense que je suis tombé à 60. 86? Ça va. Ah, avec le petit débord de caméra, il n'y avait pas ça avant, il me semble. 13 sur 13. La caméra 13! J'ai hâte de voir une attaque sur cette map. Pas trop pressé pour ma part. Presque envie de dire que c'est pas trop mon moi. Je pense pas qu'il se trouve dans la cellule-ci. Bah, le températuromètre fixé cet endroit. Après, il a ouvert l'autre porte à côté, peut-être. Mais à ce moment-là, on va pas traîner ici. On va ramener d'autres indices, notamment ceci et cela. Ah, par contre, pour les empreintes, qu'est-ce que ça donne? Comment on fait pour les empreintes? Comment faire? Bah non. On verra, on verra. Ils n'ont pas eu. Ah merci beaucoup. Eh, ils continuent de jeter les trucs, hein. Tu as un troisième objet? Bah oui, j'ai la lampe. Donc forcément. Alors là. Oh, il a fermé, hein. Ah, j'ai pas pris d'appareil photo. Quel gredin. Quel gredin. J'ai même pas envie de reprendre la lampe à UV. Ah, il a refermé la porte. C'est piquant. Alors, est-ce que... Là... Est-ce qu'il a ouvert cette porte? Bah non, il joue avec les portes. Allez, 3 degrés. Voilà, hop là. Boum! Ah, ose me dire que, hein... Que c'est la cellule d'à côté. Ok. Bah vas-y, dis-le! Ose! Ose le dire! Hein? Maintenant! Hein? Oh, et? Et pourquoi tu veux pas ouvrir? Merci Picard, merci pour les 10. Mais quel relou du coup. Oh là là. C'est bon. Non mais c'est bon. Ah. Écrivez dans le livre. Écrivez dans le livre. Ok. Faut que je pointe. Avec ça. Ah! Écrivez dans le livre. Vas-y. Écrivez dans le livre. Bonjour, écrivez dans le livre. Écrivez dans le livre. S'il vous plaît. Quel est votre nom? Ouais, bon, hey.
Ah mais après, il a fait tomber des trucs là, hein. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Ah oh, mais non, fais pas... Oh, hé. J'aime pas trop ça. Faut que j'ai un large spectre. Excellent. Large spectre. C'est pas rigolo. Il y a mon âme qui tire sur les côtés tellement je rigole. Hein. Pas de... Hein. Maïd. Disons. Mais non, mais il fait tomber des... Mais genre, mais plein de trucs là, oh, et... Je reviens, et quand je reviendrai, sache qu'à ce moment-là... Dans tous les sens. Poltergeist, moi aussi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Hein. J'aime dire je reviendrai, parce que lui c'est ce qu'il dit souvent. Hein. Et genre, mais il fait tomber plein de trucs. Ouais. 100% ça. 100 garantie absolue, bien sûr. Et vous entendez des split blocs, hein. À 100% sans certitude ni garantie absolue, bien sûr, mais à 100%. Hein. 75%, je pense. Je suis arrivé au niveau de la santé mentale. Ah, bah s'il veut jouer, alors il n'y a rien à craindre, bien sûr, évidemment. Hein. C'est cling cling ting. Ouais, plus tong que ting. Hein. Pour le 1. Hein, à tous les beaufs de France. Soixante-huit pour cent. Oh non. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? À tous les coups, ça va, hein. Bâton d'encens. Je vais prendre ça, bien sûr. Et ça. Ah, il faudrait que je prenne un autre... J'ai pas la place. Alors c'est pas là, c'est l'autre. Non plus. Non plus. C'est ça moi. Ok. Alors on va y aller avec 70%. Hein. Excellent. Ça fera un large... ça fera un large point de vue. Ah, je vais prendre l'appareil photo parce qu'il va apparaître, il va faire... Il va être en mode... pointilleux dans cette prison pour trouver. Je pense qu'il teste aussi. Je pense qu'il teste le fait de... Appareil photo panoramique. Ouais. Mode large spectre. C'est très drôle. Hein. Cling, ting, ting. Vous savez ce qui serait drôle? C'est qu'il y ait une alarme de prison. Mais vous savez, l'alarme qui s'enclenche quand toutes les portes s'ouvrent. Genre... Et toutes les portes s'ouvrent en fait en même temps. Il faudrait qu'il y ait 2-3 effets comme ça. Ce serait trop bien. Ce serait pas drôle. Mais je suis aussi connu pour ça. Où se ferme, bien sûr. Alors, température glaciale. Mais non, arrête.
Oh, hé, oh, hé. Hein? Ah, je joue avec la lampe. Je joue pas avec la lampe. C'est la lampe qui joue avec moi. Mercredi soir. Alors. Oula, c'est bon là. Merci Tesna, merci beaucoup. Très grand merci à toi. Ok. Donc, on peut dire à 100%, sans garantie absolue, qu'on va vérifier ici. Ok, il a éteint toutes les le générateur. Écrivez dans le livre. Écrivez dans le livre. Écrivez dans le livre. Écrivez. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Allez. Bon, on a qu'à dire ouais. Pa 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 da da pa da 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 pa.